Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est cool, je vois qu'il y a pas mal de jeunes, c'est super, il y a également des vieux aussi, c'est sympa aussi, ça, c'est... Moi je m'appelle Kev Adams, j'ai 18 ans, et il y a un truc qui m'énerve en France, c'est que vous, les adultes, vous croyez trop que nous, les ados, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis, alors qu'on a des vrais problèmes, sérieux, par exemple, un de nos soucis principaux, c'est de ne pas arriver en retard en cours. Moi, tous les matins, je me chauffe, je me fais « Allez, Kev, aujourd'hui, tu vas pas arriver en retard en cours. » Et tous les matins, j'arrive « Bonjour, madame, je suis vraiment désolé. » Kevin, interrogation d'histoire, surprise. Que pouvez-vous me dire sur Trotsky ? Trotsky, tu le skis, je sais pas. Trotsky et Hutch, la série, je... Moquez-vous, Kevin, moquez-vous. Et remontez-moi ce pantalon, petit insolent. Ah oui. Ça aussi, c'est un truc qui vous énerve grave, vous les adultes. Le fait que nous, les jeunes, on ait un peu le pantalon baissé. Ça vous énerve. Et d'ailleurs, vous avez une vanne pour ça, une vanne qu'à vous, une vanne d'adulte. Vous dites, oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon, hé. Hey. Mais elle est nulle, cette vanne, sans déconner, elle est pourrie. Et en plus, je veux dire, enfin, franchement, c'est normal le fait que nous, les jeunes, on ait un peu le pantalon baissé. Regardez à l'époque. Obélix. Il avait le pantalon là, c'était la mode. Après, les années ont évolué, on est arrivé, le pantalon au nombril, les bretelles, les années 40, ouais, ça va Jean-Pierre, ouais, ça va bien. Les années 80, un peu au-dessus de la taille, Night Fever. Les années 2000, à la taille, normal que 2009, ben on soit là, quoi, sérieux. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030, ben on soit tous comme ça, les gars. Salut. On sera tous comme ça, on sera tous comme ça. Toi, tu seras comme ça, toi aussi. Bon, toi, tu seras peut-être plus là en 2030, mais... Salut. Il y a pas longtemps, j'ai joué ce même sketch à Toulouse, en France, et il y a une vieille dame qui s'est levée dans le public et qui m'a dit « Et est-ce qu'on pourrait voir ce que ça ferait en 2050 ?» Mais bon, j'avoue quand même un truc, c'est que nous, les ados en France, on est un peu pourris quand même. Hein. Vous avez vu les ados aux États-Unis, comment ils sont trop stylés? Il y en a qui ont vu High School Musical. Bon, pour vous, c'est plutôt Grease, vous voyez? Vous avez vu les ados aux États-Unis, comment ils sont trop stylés? Ils chantent, ils dansent pour rien. Genre, toi, t'arrives à ton lycée en France, tu fais Hey, ça va, Martin? Il va te faire Tu vas à ton lycée aux États-Unis, au Western High School? Oui, parce que le lycée aux États-Unis s'appelle le Western High School. Toi, t'es au lycée Marie-France Joël, tu vois. Lui, il est au Western High School, tu vois, t'arrives, tu fais « Hey, ça va, John ?» Il va te faire « Ça va, et toi ?» Avec des cœurs genre « Il va bien, il va bien !» Moi, c'est bête à dire, mais en ce moment, je vais pas hyper bien parce que je viens de perdre mon poisson rouge. C'est peut-être un peu bête, mais c'est vrai. Et en plus, juste avant sa mort, j'ai appris que le poisson rouge n'avait que 3 secondes de mémoire. C'est horrible quand même, tu sais, tu l'imagines dans son bocal, genre... Waouh! Mais c'est génial ici! Waouh! Mais c'est génial ici! Waouh! Mais c'est génial ici! C'est ce jour-là que j'ai compris que ma mère avait un cerveau de poisson rouge. Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît. Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît. Kevin, tes chaussettes, s'il te plaît. Non, je suis descendu tellement bas que j'ai commencé à appeler le 3606. Vous connaissez ce truc du 3606? Que plus c'est bête, plus ça marche. Du genre, je te demande si ton mec se brosse vraiment les dents, envoie gencive au 92-200. Tu veux retrouver l'amour? Envoie amour, B-I-T-E, au 3606. Voilà, c'est la fin de mon sketch. J'aimerais juste vraiment, vraiment vous remercier parce que c'est vrai, j'ai vraiment 18 ans. Et vous savez, c'est pas toujours facile de gérer la scène parce que je suis monté sur scène toute l'année et les cours, je suis toujours à l'école. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai joué un lundi soir. C'était génial comme ce soir. À la fin de mon sketch, les gens se sont levés. Je dis ça, je dis rien. Et je jouais un lundi soir, le mardi matin, j'étais en cours, la prof m'a dit « Kevin, vous allez remplir cette équation au tableau. » J'ai rempli l'équation, j'ai terminé en disant « Merci beaucoup à tous, merci infiniment, merci !»